dire qu'on était vraiment cheap de ne pas pogner, de ne pas prendre notre abonnement. Qu'on était, quoi? Qu'on était vraiment cheap de ne pas avoir un abonnement. C'est ce que je parle. On va régler la question au prix que ça coûte. Bon, ça allait toujours fonctionner, il y avait. On attend Alain. OK. Ouais. Il s'en vient. Il s'en vient? OK, alors. Pour ceux que tu es prêt à enregistrer, tu nous le dis. Ah, ça s'enregistre, oui, Gervais. Alors, on reprend la rencontre. Nous sommes donc le 7 juillet 2021 et nous sommes rendus au point 9. Alors, pendant qu'Alain Parent va rentrer, j'invite la directrice générale à faire la lecture. Attendu, la résolution 2021-05-9-74 a été faite pour autoriser l'embauche de la coordonnatrice du terrain de jeu et que le taux horaire et la période couverte étaient erronés. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil apporte une modification. Attendez un petit peu. Là. Quant au taux horaire qui sera de 18 $ et le nombre de semaines qui sera de 9 semaines pour Mme Edith Vaillancourt, coordonnatrice du terrain de jeu pour l'été 2021. Coordonnatrice prend deux N. Il semblait que j'avais passé dessus. Puis en tout cas, c'est pas grave. Des questions? Quelqu'un fait la proposition, c'est Benoît, c'est ça que j'ai compris? Oui. Oui. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, on a besoin d'embaucher une quatrième animatrice et accompagnatrice pour un jeune qui a des besoins spéciaux. La plus grande partie ou la totalité du salaire de cette accompagnatrice est subventionnée par l'URLS, l'Unité régionale loisirs et sports. Voilà, puis c'est pour 4 semaines au taux horaire de 16 $. On n'était pas sûr de trouver quelqu'un, on a trouvé quelqu'un. Voilà. Cool. Alors, voulez-vous en faire la lecture? Attendu qu'il y a un besoin spécial pour un enfant dans la municipalité, attendu qu'une demande a été faite à l'URLS et acceptée pour une subvention pour permettre l'embauche d'une personne pour l'enfant avec des besoins spéciaux. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Océane Gagné afin d'accompagner un seul enfant avec des besoins pour, j'ai marqué 4 semaines, c'est 5 semaines, au taux horaire de 16 $. Mais c'est subventionné. Ouais, c'est moi qui ai fait l'erreur. Josiane m'a averti là, que c'était marqué 4, là, mais c'est vraiment 5 semaines. Elle a le 2 semaines durant l'été que l'enfant ne vient pas au loisir. OK, c'est beau. Des questions? Océane, es-tu du village? Non. Saint-Bruno. Saint-Bruno, elle voyage avec quelqu'un, je pense. Là. C'est cool. C'est organisé. On a été chanceux de l'avoir parce que ça a pris du temps là, avant d'avoir quelqu'un. Vous proposez en plus. Alors, vous prenez votre rôle de maire suppléant au sérieux, M. Saint-Jean. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, le point 11. Alors, vous vous rappellerez le préavis de la CPTAQ. Alors, la CPTAQ a adressé un préavis à l'effet qu'elle pouvait ou elle allait émettre une ordonnance pour enlever la risberne. Alors, c'est que quand on a fait la risberne, on s'est appuyé sur des plans qui fixaient la ligne, qui fixaient le périmètre urbain et qui séparait la limite agricole. Or, cette ligne-là a été déplacée d'environ une trentaine de mètres plus à l'est. Ça l'a ratissé le périmètre urbain. On n'a pas été informé de ça, qu'on n'a pas vu rien là, de la part de la CPTAQ, mais finalement, on prend acte, si bien que l'assiette de la risberne est entièrement dans la zone agricole pour la première partie. Bon, on a vérifié même sur la matrice graphique qui apparaît sur le web et c'est divergent de la position de la CPTAQ. Deuxième chose, la partie sud de la risberne. Bon, eux autres ne font pas d'interprétation, mais elle a été faite sur le terrain de la deuxième maison de Michel Vézina. Et on avait le droit aussi, selon la compréhension qu'on en avait, de faire ces travaux-là. Alors, c'était sur son droit acquis.
Et ça représente l'équivalent peut-être de 5 à 6 voyages de terre. On trouvait ça vraiment banal. Maintenant, il y a eu des discussions entre Michel Vézina et la CPTAQ. Ce qu'on a compris, c'est que la CPTAQ veut tout simplement qu'on fasse une demande pour faire autoriser la RISBERM. Ça ne devrait pas poser problème. Vous avez vu le projet de correspondance qu'on s'apprête à envoyer à la CPTAQ. Alors, plutôt que de s'astiner sur « bon, on n'a pas été informé, c'est la faute à un tel », on va, ce qui est recommandé par Michel Vézina, c'est tout simplement que la municipalité fasse une demande conjointe avec Michel Vézina pour l'établissement de la RISBERM. Mais il semble, d'après l'analyse de la CPTAQ, que ça devrait se passer très facilement. Voilà. C'est ça le résumé, là. Puis, on n'a rien, on n'a pas fait d'infraction nulle part. C'est que la ligne a été changée pour se conformer, pour éviter qu'il y ait des demi-lots avec la rénovation cadastrale, qui se retrouve la moitié en zone urbaine puis l'autre moitié en zone agricole. C'est aussi fou que ça. Le plan qui apparaît dans le bureau municipal, il est daté de mars 2019 et la RISBERM est dans le périmètre urbain. Puis si vous allez sur la matrice graphique qu'on utilise à la municipalité, la RISBERM est dans le périmètre urbain. Mais selon la CPTAQ, puis ça nous est confirmé par Michel Vézina, qui, lui, l'avait appris de Donald Key auparavant, la ligne a été changée avant qu'on fasse les travaux. Voilà. Bon. Si on avait... Puis là, c'est assez spécial parce que quand on a envoyé nos documents, on certifiait qu'on était dans le périmètre urbain, mais en tout cas, c'est pas grave, là. Plutôt que de s'astiner puis de perdre du temps, on va faire une demande qui va être analysée et qui ne devrait pas poser de problème dans son acceptation. Ça vous va? Alors, voulez-vous faire... Vous avez lu la lettre, le projet de lettre donc, qui a été préparé? Ça va? Alors, Mme Blais. Attendu le préavis reçu le 9 juin 2021 de la CPTAQ en vertu de l'article 14-1 de la loi sur la protection du territoire agricole du Québec et concernant l'érection par la municipalité d'une RISBERM sur les lots 4,789,206 et 5,568,993, propriété de M. Michel Vézina. Attendu les échanges tenus avec M. Michel Vézina, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil informe la CPTAQ de son souhait de régulariser la situation en déposant une demande d'autorisation de cet ouvrage de protection conjointement avec M. Michel Vézina. M. Vézina a vu le projet de lettre qu'on s'apprête à envoyer puis il y souscrit entièrement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un en fait la proposition? Oui, Alain? Une remarque, en fait, peut-être que ce serait bon d'avoir CPTAQ le, au complet, commission de protection. Okay. Quand tu as lu tantôt, tu as lu, pas LPTAQ, mais loi de protection, ça aussi, ça, pour l'information, c'est plus clair. T'as raison. Dans le titre, c'est CPTAQ versus, si je peux dire, Michel Vézina et municipalité de Saint-André-Cambrasca. Oui, il faudrait rajouter. Oui, c'est ça. Et municipalité, parce que la municipalité est mise en cause. Ouais. Puis je peux proposer en passant s'il n'y a pas d'autres questions. Ça va. On a essayé, après discussion avec Michel Vézina, de faire la résolution le plus court possible, la lettre le plus court possible aussi. Voilà. Alors, Alain Parent propose, quelqu'un demande le vote, c'est adopté. Alors, le point 12, c'est que depuis des années, la commission scolaire versait une petite aide financière. C'est un montant qui tourne autour de 1 000 pour la formation hebdomadaire de vie active. Alors, il y a une personne pas bénévole qui reçoit l'aide financière. Il faut que ça passe par la municipalité. Enfin, ça fait un petit bout de temps là, qu'il n'y a pas eu d'activité, mais la commission scolaire souhaite quand même qu'on reprenne ces activités-là. C'est tout simplement de confirmer le partenariat. Il n'y a aucun coût pour la municipalité. Voulez-vous en faire la lecture? Attendu que le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup peut aider financièrement un milieu pour la formation en activité physique. Attendu que cette aide financière est versée entièrement à la personne qui organise les activités. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil autorise la municipalité à signer cette entente et désigne le maire et la directrice générale à cette fin.
Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Guy Lapointe. Guy Lapointe. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, appui au projet de loi C-313. Je ne sais pas si on n'est pas dépassé la date, mais en tout cas, je pense que c'est important, là, le message qui est véhiculé par ce projet de loi-là. Voulez-vous en faire la lecture, Mme Blais? Oui. Attendu que la municipalité reconnaît l'importance de prévenir toute forme de haine ou de violence à l'endroit de groupes ou de personnes qui se différencient des autres par la couleur, la race, la religion, l'origine ethnique, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, la déficience mentale ou physique. Attendu que la municipalité reconnaît que les atrocités et les actes de violence commis dans le passé par des personnes ou des organisations dont les symboles, les emblèmes, les drapeaux et les uniformes sont utilisés à ce jour pour fomenter la haine et la violence ou inciter à la haine et à la violence, attendu qu'il est dans l'intérêt de la société d'empêcher la vente de symboles ou d'emblèmes comme la croix gammée nazie et l'insigne de Ku Klux Klan, de drapeaux comme les étendards de l'Allemagne de 1933-45 et ceux des États confédérés d'Amérique 1861 à 1865, et d'uniformes, notamment les tenues militaires de l'Allemagne et des États confédérés d'Amérique au cours de cette même période, ainsi que les cagoules et tuniques du Ku Klux Klan. Il est bien difficile à dire, lui. Attendu le projet de loi C-313 déposé à la Chambre des communes. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Saint-André de Kamouraska appuie l'adoption de ce projet de loi. Des questions? Quelqu'un en fait la proposition? Oui, Alain propose. Alain propose. Quelqu'un demande le vote? Alors, Mme Blais, vous allez retrouver facilement qui l'a envoyé? Oui, oui. C'est bon. Chaque enfant compte. Ça aussi, c'est pas une résolution qu'on nous a demandé d'adopter, mais c'est une résolution d'ordre général que je vous soumets, tout simplement. Alors, c'est une campagne à l'heure actuelle qui concerne la découverte d'un certain nombre de corps liés aux pensionnats autochtones. Voulez-vous en faire la lecture? Attendu la découverte récente des restes d'enfants autochtones en pensionnat, attendu que les processus de vérité et de réconciliation ne peuvent se poursuivre sans que le gouvernement ne reconnaisse les immenses souffrances infligées aux communautés autochtones depuis des décennies, attendu les séquelles des pensionnats indiens et les inégalités socio-économiques qui persistent chez les enfants autochtones, attendu que toutes les communautés doivent avoir accès à l'eau potable et à l'électricité qui sont des besoins de base. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil offre ses plus sincères condoléances aux familles et à l'ensemble de la communauté autochtone, que le gouvernement rende justice aux familles et corrige les torts du passé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est une question qui va évoluer, là, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des parties sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise? Non. Ben, juste la première phrase, le premier attendu, des restes d'enfance. Je ne sais pas si on devrait parler de sépulture. Oui, de sépulture. Ça serait plus... Oui. Le mot m'agace. Oui. Puis, la question de l'accès à l'eau potable et l'électricité, ça me paraît comme hors... C'est un problème, mais c'est comme hors sujet. Là. Je ne sais pas, je ne me souviens pas de la solution proposée. Ben, c'est que... En rapport au titre, chaque enfant compte. Oui, c'est vrai qu'on pourrait l'enlever, mais effectivement, il y a encore des communautés autochtones qui n'ont pas accès ni à l'eau potable, ni à l'électricité. C'est difficilement concevable dans une société civilisée, mais ce n'est pas en lien avec le titre. On pourrait l'enlever. Oui, mais en même temps, il faut qu'on dise que là où il n'y a pas de l'eau potable, la qualité de vie et la qualité de que les enfants restent en vie est menacée aussi. Oui. Parce que quand on évalue une société, c'est comment qu'elle peut réussir à sauver ses enfants d'abord, les amener à l'âge adulte. Puis ça, je pense que ça pourrait aussi faire partie de cause dans la situation actuelle.
Puis il ne faut pas généraliser, ce ne sont pas toutes les communautés autochtones qui sont, il y en a qui sortent très bien leur épingle du jeu, mais il y en a où le défi est énorme. Voilà. Alain, est-ce qu'on peut maintenir quand même l'eau potable et l'électricité? Parce que avec le commentaire de Guy, oui. Ça va. Tu la pointes sur l'ensemble. Ouais, je vais faire la proposition, tiens. Je la fais, la proposition. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres commentaires? Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Questions diverses. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est demain soir. Ben, ouais, c'est ça, c'est demain soir. La réunion l'Assemblée générale annuelle du dépanneur du village. Ça, Guy, tu as dû l'entendre parler. Je ne sais pas, moi, demain soir, j'ai une assemblée de promotion Kamouraska, alors je ne peux pas y être. Est-ce que tu peux, Guy Lapointe, oui, c'est ça. J'ai une autre réunion demain soir. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ça va. Je vais vous faire un compte-rendu du dernier Conseil des maires qui se tenait le 9 juin, toujours en visio. Mon Dieu, on a adopté un certain nombre de règlements qui visaient à modifier des règlements d'urbanisme. Reçu la reddition de compte de la mesure soutien aux travailleurs autonomes. Alors, c'est le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale qui confie à la MRC l'application de ce programme-là. La MRC le fait en compétence et doit rendre compte. On a reçu la reddition de compte finale du Fonds de développement des territoires pour la période 2015-2020. On a accepté également l'offre de service de Démarcom pour la réalisation d'un bilan commercial pour chacune des municipalités de la MRC. Donc, dans le contexte de la COVID, cette entreprise-là va faire une évaluation de ce que devrait mettre en place chaque municipalité de la MRC de Kamouraska pour mieux passer au travers la crise. La crise, disons, elle se vit à géométrie variable. Il y a des commerces qui ont fait des meilleures affaires pendant la COVID, d'autres ont réussi à maintenir leur situation et d'autres sont grandement perdantes. Ce n'est pas égal, puis on devrait avoir un portrait là-dessus. Super cueillant, collectif régional. Résolution annonçant l'intention de la MRC de Kamouraska de déclarer sa compétence relativement au domaine du transport collectif, c'est qu'actuellement, la MRC est un partenaire de Transapt et n'a pas déclaré sa compétence. C'est chacune des municipalités. Dorénavant, bonsoir, monsieur. Voyons, j'ai oublié son nom. Mais oui. Bon, en tout cas, peu importe. Léonard. Bonsoir, M. Léonard. Je suis désolé. Alors, ça ne viendra pas rien changer pour Saint-André et Saint-Alexandre qui sont avec Vasy et les 15 autres municipalités qui sont avec Transat. Bon, c'est bien, Léo. Bon. On a adopté le rapport financier de la MRC de Kamouraska pour l'année 2020. Rapport financier de la MRC. Alors, l'ensemble des opérations de la MRC se solde par un excédent de 465 000 pour l'année 2020. Une très bonne année. Pour l'année Il y a eu tellement d'imprévus en 2020, des projets qui ne se sont pas réalisés, des frais qui ne se sont pas concrétisés, en même temps qu'on a eu quand même de l'aide financière. Donc, bref, la MRC
a dégagé un excellent surplus de 465 000. On a également adopté les états financiers des territoires non organisés qui, eux, le territoire non organisé, ont dégagé un surplus de 46 000, qui est encore plus, toute proportion gardée, plus important. Je continue. On a également donné un mandat. La MRC était rendue au terme d'une soumission de 3 ans concernant le choix de l'auditeur. C'est la firme Mallette qui fait l'audit des chiffres, des résultats financiers de la MRC, et cela inclut également le périmètre comptable. Alors, on est allé sur invitation auprès de 2 entreprises, Raymond Chabot, Grant Thornton et Mallette. La soumission de Raymond Chabot était de 78 588 et la soumission de Mallette était de 54 728. Elles étaient toutes les deux conformes et la MRC a retenu la soumission de Mallette. Voilà. Quelle autre affaire dans l'ordre du jour? J'essaie d'avancer pour rien oublier. Ça, c'est bon. On a adopté le rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles. Puis après ça, c'était les comptes. On n'a pas eu de réunion pour les matières résiduelles. On n'a pas eu de réunion en incendie. C'était un mois pour les rencontres bilatérales qui a été plutôt limité. Voilà. Puis-je revenir au point 15, M. Gervais? Oui. J'aurais 3 factures à ajouter, moi. C'est moi qui avais passé par-dessus. Oui, mais ça ne vous dérange pas trop? Ben, c'est pour débourser des fonds. Ben oui. Excusez. Faut bien quelqu'un pour dépenser. Oui. J'écoute. Il y aurait Auberge Saint-Alexandre pour de l'essence pour 57 $. Oui. À Griscard pour c'est des vis puis quelques petites affaires pour terminer les jeux des loisirs à 15 $. OK. Et Dickner pour 231,4 pour panneau spécial. Je pense qu'on a passé tantôt, mon truc. Tu vérifieras, mais on a passé un tantôt pour Dickner, en tout cas. Oui, mais ça se peut. C'est probablement pas le même. Okay. Ça fait quelques fois qu'il achète chez Dickner, là. C'est bon. Puis pour 231,4. Des questions de la part des conseillers. Quelqu'un fait la proposition? Le point de propos. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, on est rendu à la correspondance. Je vous ai un peu résumé la correspondance. C'était des sujets. Oui, la lettre d'annonce pour le programme qui s'additionne à la TEC, là, le 1 et 8, c'est la même chose, la lettre de Marie-Ève Proulx pour 75 000 $ en surplus par la TEC. Programme. Plus l'annonce d'aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est quoi? 170 700 pour Saint-André, toujours sur la SEC. Oui. Mais, donc, mais la différence. Oui, c'est ça. La différence, ben, c'est parce que quand ils ont négocié, ils s'étaient gardé une marge de manœuvre puis, pour ne pas l'annoncer tout en même temps. Puis là, ben, ils bonifient le programme. Et le 75 000, il est accessible pour les bâtiments, mais les autres priorités aussi. Mais on peut le faire. Réservé uniquement pour des bâtiments, des travaux des bâtiments municipaux. Le 177 700 s'ajoute au montant de 700 quelques mille. Qu'on a déjà. Oui, c'est ça. J'avais la liste. C'est 3,5 millions pour l'ensemble des 17 municipalités de la MRC de Kamouraska. Ça va? La MRC qui déclare la compétence en transport collectif. Oui. Vous avez eu la lettre. Je ne sais pas si vous voulez qu'on lise quelque chose.
Ensuite de ça, la confirmation de la subvention pour le volet entretien du réseau routier, c'est 70 754, comme à toutes les années. Ben non. Un petit ça peu a été plus major... que l'année passée? Oui. OK. Oui. Moi, j'ai bien on pas a été vu. Longtemps à 38 000, on a monté à 50 quelques mille, puis là, on est rendu à 70. Fait que okay. Pas de problème. Merci. Ouais. Puis ça, ça passe prioritairement à la TACQ. Quand on affecte là, l'asphalte, quand on partage les montants qu'on met en asphaltage, on en met là, c'est prioritaire. Puis les chemins d'hiver sont encore inclus. Les chemins d'hiver sont déneigement, ouais, c'est quelque chose de majeur. Ouais. Ouais. Puis il y a le programme, je ne l'avais pas marqué dans la liste, là, mais le programme d'amélioration qui nous subventionne pour 10 000 $ cette année. Puis l'année passée, c'était 4 000. Subvention le programme d'amélioration des chemins, oui, de la députée, là. Donc, ça s'ajoute. L'entente incendie-camès qui nous est revenue toute signée de Saint-Alexandre. Ministère de la Culture concernant l'île du Pau à l'Eau-de-Vie. Oui. Alors, ben, le ministère de la Culture, vous l'avez vu, c'est-à-dire c'est un avis d'intention de citer le phare de l'île du Pau à l'Eau-de-Vie. Je vais essayer de faire un article pour l'info de Saint-André. Ensuite de ça, la CPTAQ pour Claude Ouellette et José Dubé. Claude Ouellette, ben, il manque de documents. Là. Il confirme qu'il a reçu la demande, mais il demande d'autres documents. On m'a appelé là-dessus. Je ne sais pas si c'est Mme Laplante qui m'a appelé, mais elle était au courant qu'il manquait des documents. José Dubé a reçu votre déclaration à son traitement physique pour l'analyse du dossier n'ont pas été fournis. Ben, eux autres aussi, il leur manque des documents. Après ça, le CPTAQ pour Suzanne Bossé. Bon, elle obtient les droits acquis. Il vérifie les droits reconnus, puis il confirme que les deux. Oui, c'est ça. Ensuite, on ne les a pas, ces documents-là. Tu ne les as pas envoyés, hein? Dans la correspondance. Je sais pas. Moi, je ne les ai pas vus. OK. Désolé. Je ne les ai pas envoyés, ça se peut. Voulez-vous que je vous les envoie? Pas de problème. Oui, oui. Je peux vous les envoyer demain. OK. Oui, demain. La lettre de report du paiement de la SQ, il nous offre la même possibilité de payer plus tard comme les deux autres années. Ensuite de ça, CPTAQ, non, là-dedans, excusez, là, je l'avais dit, là, j'ai pas d'autre chose. Ça va? On est rendu. J'aurais avant la période de questions, qui ne sera pas nombreuse, une levée de fonds de l'arc-en-ciel du cœur pour un local d'entraînement pour l'organisme l'arc-en-ciel à la Pocatière. Quand on donne à l'arc-en-ciel du cœur, on donne généralement 100 $ Et là, on paye la carte d'adhésion. On a payé la carte d'adhésion 15 $ mais là, vous voulez donner 100? Ben, moi, je recommande 100 $ à l'arc-en-ciel du cœur. C'est un organisme qui donne d'excellents services à la population. Est-ce que Alain propose? Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. C'est adopté. Est-ce que vous avez d'autres choses, Mme Blais? Non, c'est beau. C'est beau. Il n'y avait pas une autre résolution au début qu'on ne mette pas le terme. Oui. Hey, on est mêlés. Contrat à Mme Danielle Morin. C'est ça que tu veux dire, Guy? Hein? Oui. C'est ça. C'est parce qu'au début, on en a parlé. Je suis allé voir. Là, je pense qu'on s'était mal compris. Là, elle a bien fait une partie, mais c'est pour le désherbage au loisir. Là. Elle a accepté de faire ça. On avait parlé de 250 $ pour l'été, payé en deux versements. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que ça en a grand besoin. On est allé y aider à midi là, parce qu'elle n'avait pas trop compris ce que je lui avais dit. Là. Okay. Et là, je pense que c'est correct. Là. C'est correct, OK. 250 $ ça va. Qui en fait la proposition? Guy Lapointe. Guy Lapointe, c'est beau. Là, on a passé tous les sujets. On va manquer de temps si ça ne fait pas. non, ben on a presque fini. Non, mais c'est ça, ils viennent de me dire là, qu'il me manquait de temps. Fait que faut. Oh, il pourrait nous couper encore? Oui. Encore.
Oui. On va sortir, on va tout sortir, puis on va rentrer, on va avoir la paix. Ah, OK, c'est beau. Alors, ben, il restait 9 minutes, Gervais. Ah, il nous reste 9 minutes. T'en as-tu assez? Oui. On peut lever l'Assemblée ou? Période de questions, il n'y a pas de questions. Levée de l'Assemblée, qui propose? Je propose Benoît. Benoît Saint-Jean propose. Très bien. On arrête l'enregistrement. C'est très bien. Attends un petit peu. OK.